Un chasseur venu de la ville dit : je vais chasser l'ours. Les villageois lui répondent : vraiment, tu ne devrais pas. Nous l'avons déjà essayé. Vous êtes allé avec un fusil ? Avec un fusil. Vous êtes allé avec une mitrailleuse ? Et avec une mitrailleuse aussi. Alors j'y vais avec un lance-grenade. Je pars. Les villageois : ben voilà, maintenant on ne pourra plus entrer dans la forêt. L'ours aura un lance-grenade, en plus de son fusil et de sa mitrailleuse. Bon. Alors comment... comment éviter des sanctions ? Un texte quand même. Un texte, d'accord. Bah bon, oui, bah, on va faire... Lis pas trop vite, Hélène. Lis pas trop non, vite. Non, je vais faire un texte. Ouais, bah, désolée aussi pour ceux qui l'ont déjà entendu. C'est pas grave, des fois c'est bien d'avoir entendu le texte. Voilà. Un texte que je vais par cœur, je sais pas ce que j'ai dit. Sur... l'action de droite, on dirait que 14 mars. C'est l'art de la guerre. Puis ça reste grande actualité. Allez, vas-y. Vas-y. Regardant en retard, voici les cavaliers. De leur roi, ignorant la ponctualité. Monsieur, ignorez-vous que nous sommes en France ? Nous avons coupé le cou de l'arrogance. Sachez que vraie noblesse arrive en droit du cœur, l'esprit, à son service, au galop, est à l'heure. Nu, le moine découvre mieux foi intérieure. Couronne accaparée le rend nul supérieur. La loi de Dieu s'applique à tout être fini. Heureux les interprètes de n'être bannis, le Graal, qui est insensé de quelques roitelets. Pour chassant un destin qui se cherche tant. Paix ! De la révolution, vous redoutez le jour ? Si telle est la question, vous tremblerez toujours, puisqu'elle est permanente. Les idiots vaniteux qui vendent les raisons, les noms aux belliqueux, méprisant leurs prochains, les amis éclairés des frères combattants en travers des coulées. Non jamais, le fin mot de l'histoire est héroïque, perdu dans les idées, surpris par mort tragique. Les ouvriers patients ont la lucidité, à l'évidence. Ils tournent pour l'éternité. Des univers sans nombre, sans début ni fin, auxquels participons toujours tous, plus ou moins, selon notre façon d'y engager notre être. Les faibles doivent croire, eux qui veulent paraître. Nous savons que nous sommes Dieu, sans autre maître, auquel nous dévouer, nous plier, nous soumettre. Il faut que les chevaux, par leurs singes menés, soient au front, au moment où la charge est donnée, jument persévérant, y compris en puissant, jusqu'au bout de la nuit, en leur ayant puissant. Tout se passe toujours, comme en décidant le temps. Une pluie diluvienne, un éclair foudroyant. Seul importe pour nous, simples soldats en armes, d'accomplir action droite et d'épargner des larmes. Les 14 tomata sont en soi seul fin, comme l'ont illustré les anciens stoïciens. L'archer, indispensable, qu'il siège une cavale, et tout entier tendu dans le geste optimal. Accident malheureux peut flèche dévier, ouvrage inattendu, fiance non éperdue. Geste, et seul les ancêtres pélos, cibles d'atteinte, ne sont sur le gâteau que raisin de Corinthe. Puisque la fin du monde, la paix perpétuelle. En russe, on ne distingue pas une guerre, telle ou telle. La guerre ne se fait que pour y accéder. Son art est une éthique à quel point dévoilée, à travers les espaces, le temps parcouru, depuis les derniers siècles. Les cartes sont bien connues. La Pologne, envahie par un homme arrivé au pouvoir par les urnes, fou, sponsorisé, gonflé par les barons du capital d'alors, le cycle de l'histoire dégénère. La guerre de 100 ans ne s'est jamais terminée. Les anglo-saxons ne veulent renoncer. Alexion d'Aquitaine est à coup sûr le moindre des désirs d'envahir peuple qu'on vous montre. Forçons-les à filer comme à leur habitude. Notre façon de parler de marchands. Rectitude de la langue et des mœurs s'impose au nom des gens. Nous luttons contre toute agression de l'OTAN, contre la patrie mère, à toutes ses frontières. Mickey Mouse et Jerry ne font plus les pierres. Les Russes n'aiment pas collater vos dommages. Et s'efforce toujours de laisser vivre otage. Dans toutes les familles. C'est le temps qui a attaqué là, je ne comprends pas. Il est plusieurs parents qui ont donné leur vie tout en nous libérant du nazisme barbare vers un assiégé. Par des étoiles rouges sur le front de l'armée. Voyez la guerre en face, en décisive phase. Toutes les sociétés, des livres, des phrases. Un foyer. Un foyer. Du berceau du monde des dieux, l'Inde, source de main ruisseau. Aujourd'hui, patrie mère à les clés de la paix. Entre peuple chinois, que nul dieu n'occupait.
simplement libérés de l'idéologie de la bureaucratie de l'Empire élargie, en de vrais généreux, cherchant à partager philosophie pratique à tous appropriés, subissant d'autre part un Occident déviant, prédateur, proxénète, dégénérescent, ne connaissant répit, dans sa voracité des ressources fossiles vives, des cités, pillant, accumulant, tuant, sans foi ni loi, expropriant les autres de leurs biens et droits, ignoble négation de l'unique substance qu'ils ont cru dominer. Aujourd'hui, résistance et la nécessité qui leur saute à la gueule. Mais ils composent tout. Ils sont déjà bien seuls. À vouloir dévorer jusqu'au dernier chaman, on plonge en un néant sans fond, mégalomane, qu'ils mangent le premier, cette monnaie de singe, finissent lacérés en griffes de leur singe. Ils vont payer leur dette avant qu'ils tuent le monde, avec ses intérêts pour leurs crimes du monde. C'est un contre vous. Et contre l'OTAN, oui. Alors, Jean-Michel, c'est à toi. Alors, il y a une règle sur les scènes slaves, en fait, c'est que on peut ne pas être d'accord avec le contenu de quelqu'un qui est dans un texte.